عمر الفوتي مذيل لكفر برماح على نخور لئام فأرانا البلاد شرقا وغربا وهو في الطريق بدر تمام عمر الفوتي مذيل لكفر برماح على نخور لئام فأرانا البلاد شرقا وغربا وهو في الطريق بدر التمام شيخنا عمر الفوتي جلفا الشيخ تيجال جلفا الشيخ عمر جلفا مام آس ميدون ايدا جيمبيري جلفا مام آس ميدون ايدا جيمبيري جلفا مام آس ميدون ايدا جيمبيري الحمد لله ماي وي الشيخ عمر الفوتي يوتال اي بورم دي جيمبر شختي جان دف جوار كير سيخو دف ريماخ هدا في سموروس وي بورم دي جيمبر شختي جان دف جوار كير سيخو دف ريماخ هدا في سموروس وي بورم دي جيمبر الحمد لله اي وي شيخو عمر الفوتي يوتال ماي بروم دي جيمبر شختي جان دف جوار غير سيخو دف ريما خجا فيسم ووروس وي بروم دي جيمبر كي صلاة والسلام من خالق الأيام على خير الأنام مي ويبا دي جيمبر صلاة والسلام من خالق الأيام على خير الأنام مي ويبا دي جيمبري صلاة والسلام من خالق الأيام على خير الأنام مي ويبا دي جيمبري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق لحق ولا هادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc aujourd'hui on va traiter الفصل الثالث والثلاثون chapitre 33 de Rimah. Ce livre Masha'Allah qui représente un monument dans la tariqa, un monument dans la spiritualité, un monument dans l'enseignement de l'islam, que nous a laissé Cheikhna Hajjama radiallahu ta'ala anhu, jazakallahu khayran, tabarakallah. Chapitre 33, fi bayan al-azkar al-lazimati li tariqati al-ahmadiyyati, al-muhammadiyyati, al-ibrahimiyyati, al-hanifiyyati, التجانية. فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. Dans ce chapitre, Cheikh Ibn Hajar رضي الله عنه, il commence avec cette formule qu'il utilise au préambule de tous les chapitres, dans le préambule de tous les chapitres. Et alam anna awrad shaykhina, là il aborde les zikr, les awrad, les wird que l'on utilise dans la tariqa, les zikr qui sont obligatoires. Vous savez, dans la tariqa, il y a des zikr qui sont al-awrad al-lazima, obligatoires, ou al-awrad ghayr al-lazima, et d'autres wird qui ne sont pas obligatoires. Et dit, alam anna awrad shaykhina, les wird de notre shaykh, المشاعر جل عنه التي يلقنها
من كافة الخلق كثيرة جيك لي أوراد لي ورد كسيني شرر قلع عنه دوني و à tout le monde, servir de son, son nombre innombrable. Minha ma kana laziman li tariqa. Et parmi ces zikr, il y en a qui sont obligatoires pour la tariqa. Wa minha ghayraha. Il y en a qui ne sont pas obligatoires dans la tariqa. Amal azkar lazimat. Quant aux zikr, les wirds qui sont obligatoires, faminha al-wird. Parmi ces wirds, il y a le wird. Parce que wird, ça veut dire quoi? Wird, ça veut dire un zikr que tu fais de façon habituelle. C'est-à-dire que tu le fais tous les jours, ou tu le fais plusieurs fois dans la journée, et tu t'habitues à le faire, ça s'appelle wird. Par exemple, celui qui lit chaque jour un hizb de Coran, de Coran, on peut dire qu'il a un wird de Coran. Celui qui, par exemple, tous les jours, il fait un certain nombre de parmi les azkar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mais il le fait de façon régulière, alors on dit qu'il a un wird de tel zikr. Alors, c'est pour ça qu'on dit ici que les awrad, les wird que Sidney Sharabdala Anhu donnait aux musulmans sont innombrables. Et parmi ces wird là, il y en a qui sont obligatoires, donc que l'on doit faire tous les jours, et il y en a qui ne le sont pas. Alors, parmi les wird qui sont obligatoires, il a cité al-wird, wirdul lazim, c'est-à-dire le wird que l'on fait tous les matins et tous les soirs. وهو استغفر الله dans ce wird tu récites استغفر الله 100 مره 100 fois والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم tu fais salat على النبي alors 100 مره باي صيغه كانت quelle que soit la forme tu peux dire اللهم صل على سيدنا محمد وسلم tu peux dire salat al-fatih اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم tu peux le faire dans ton wird tu peux faire salat al-ibrahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد tu peux le faire dans ton wird aussi tu peux faire salat al-nariyah اللهم صل صلاة كاملة cette forme de salat aussi tu peux le faire dans ton wird alors quelle que soit la forme de salat على النبي tu peux l'utiliser 100 مرة tu le fais 100 fois ثم لا إله إلا الله ensuite tu fais لا إله إلا الله 100 مرة 100 fois وهذه الأذكار بعينها هي التي رتبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بتلقينها alors وأمره بتلقينها لكل من طلبها من المسلمين ce zikr 100 fois استغفر الله 100 fois صلاة على النبي 100 fois لا إله إلا الله c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a formé C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a composé, voilà, et l'a donné à Sidney Sharabdala Anhu pour qu'il le donne à tout musulman qui le cherche, qui veut l'obtenir. Ala ayi halatin kana, quelle que soit la nature, l'état de ce musulman. Kana kabiran ou saghiran, qu'il soit un musulman qui est âgé ou qu'il soit un jeune musulman. Ou unsa, qu'il soit une femme, hurran, kana ou ghayrihi, qu'il soit libre, vous savez, jusqu'à une certaine époque, il y avait encore l'esclavage, il y avait des esclaves, bon maintenant, on ne parle plus d'esclavage. Alors il dit que le wird, quelqu'un qui est libre, il peut le prendre.
quelqu'un qui est esclave aussi, il peut le prendre. Ta'i'an aw 'asiyan, le wird, c'est pas seulement quelqu'un qui est un fervent musulman qui a, masha'Allah, la possibilité de prendre le wird. Même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, eh bien, s'il demande le wird, on n'a pas le droit de lui dire que toi tu fais trop de péchés, on ne te donne pas le wird. On lui donne le wird et on le laisse avec Sayyidina Shah Mohamed Tidjian. Parce que le wird, ça nettoie le cœur. Le wird, ça nettoie le cœur. Celui qui fait des péchés et qui prend le wird, masha'Allah, Allah lui nettoie le cœur. C'est pour ça que celui qui prend le wird et qui continue à faire des péchés, qu'il se pose la question, est-ce qu'il est vraiment tidjianiste? Parce que dès lors que tu prends la tariqa, là, masha'Allah, quand tu fais safrullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah, dans un premier temps, ça te nettoie le cœur. Jusqu'à ce que tu ne veux plus tomber dans le péché. Mais quelqu'un qui prend le wird, qui fait le wird matin et soir et qui continue à faire des péchés, eh bien qu'il se pose des questions sur sa qualité de tijan, parce que, masha'Allah, ce n'est pas compatible avec la tariqa. De deux aussi, il y a un parmi les points, de la, les piliers de la tariqa, en fait, c'est une des conditions. On en avait parlé la semaine dernière. On ne doit pas se dire que je suis tidjaniste, je peux me permettre de tout faire. Celui qui a l'habitude de faire ça, c'est nécessairement de là, on va l'exclure de la tariqa. Il va continuer à avoir un chapelet, à faire le wird, à faire la wazifa, à faire haylala, hadratul juma, alors qu'il n'est plus dans la tariqa. Donc, quand on est dans la tariqa, c'est nécessairement de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui qui veut obtenir la tariqa, qui cherche la tariqa, qui demande la tariqa, donne-lui la tariqa. Même si c'est un homme, même si c'est une femme, même si c'est un jeune, même si c'est un adulte, même si c'est quelqu'un qui est libre, même si c'est quelqu'un qui est esclave, même si c'est quelqu'un qui est sérieux, honnête, qui suit, masha'Allah, l'islam, les enseignements de l'islam, et, mais, ou alors que ce soit quelqu'un qui fait des péchés, alors, quelle que soit sa situation, donne-lui la tariqa. Mais dans ce dernier cas que je viens de citer, il y a quelque chose. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait des péchés et qui prend la tariqa, le wird et la wazifa lui lave le cœur. Alors, celui qui a la tariqa et qui continue à commettre des péchés ou à aimer à faire des péchés, alors qu'il se pose la question, est-ce qu'il est vraiment un tidjan? Parce que ce n'est pas compatible avec son état de tidjan. Donc, on peut se dire qu'il y a beaucoup parmi nous eh bien, qui ont un comportement qui doit leur. Ils doivent se poser des questions par rapport à leur situation de tidjan. Alors, voilà yamna'uha an ahadin talabaha. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Shah radhiyallahu anhu, alors tu n'interdis à personne de prendre la tariqa dès lors qu'il aimait la volonté de prendre la tariqa. Wa kaunu salati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi salati al-fatiha lima ughliqa afdalu wa akmalu lima fiha min al-fadl al-azim wa thawab al-jasim. Alors, faire le wird avec toutes les autres formes de salat ala nabi, c'est possible. Mais faire le wird avec salat al-fatiha, c'est encore mieux, c'est meilleur parce que salat al-fatiha a, en termes de valeur, ce qu'aucune autre forme de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a. Donc, c'est conseillé aux disciples d'Ijani, quand il fait son lazim, qu'il utilise salat al-fatiha, masha'Allah, parce que dans salat al-fatiha, il y a ce qu'on ne trouve dans aucune autre forme de prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, wa man fatahu wirdun falyatadarakahu ala mamar ad-dahr. Alors, il dit que celui qui manque un wird, eh bien, qu'il le rattrape. Si tu te rappelles que le mois passé, tel jour, j'avais pas fait mon wird du matin, ne te dis pas que ça y est, c'est fini, c'est pas la peine.
Il faut que tu le rattrapes parce que c'est un pacte que tu as signé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu manques un virgule, tu dois le rattraper. Jamais tu dois te dire que oui, c'est passé, le jour est passé, la semaine est passée. Wa min al-azkari lazima, ça fait partie aussi des zikrs qui sont obligatoires dans la tariqa, les tariqati al-wazifa. Alors, le cercle de la wazifa que tout tijani doit faire quotidiennement. Wa hiya astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La wazifa, c'est quand tu dis astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum 30 marra, 30 fois. Wa salatu al-fatih lima ughliqa 50 marra. Tu fais salatu al-fatih lima ughliqa 50 fois. Voilà, yakfi al-wazifati ghayraha. Dans la wazifa, on ne peut pas réciter une autre forme de salat ala nabi à part salat al-fatih. Quand on fait le wird, on peut utiliser d'autres formes de salat ala nabi. Mais la wazifa, c'est obligatoire de réciter salat al-fatih. Wa hiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali haqq qadri wa miqdari al-azim. Après, salat al-fatih 50 fois, thumma la ilaha illallah mi'atu marra. Tu fais la ilaha illallah 100 fois, thumma jawharatul kamal 12. Donc après, tu fais jawharatul kamal 12 fois. Jawharatul kamal, c'est la salat que nous récitons en dernier dans la wazifa. Alors, وتكفي قراءة هذه الوظيفة في وقت واحد. Donc tu peux réciter la wazifa imma fi sabah, soit le matin, wa imma fi masa'i, soit l'après-midi. Wa in qara'ta aw wa in quri'at fi al-waqtayn fa hasan. Si tu récites la wazifa le matin et le soir aussi, c'est bien et c'est même meilleur. Mais ça te suffit de faire la wazifa une fois, masha'Allah, dans la journée. Wa waqtuha kalbirdi. Donc là aussi, il ne faut pas se dire que c'est obligatoire de faire la wazifa deux fois par jour. Non, ce n'est pas une obligation. Vous savez, la tariqa, c'est simple. Et cette simplicité, la tariqa l'a héritée de l'islam. L'islam, c'est une religion simple. Il ne faut pas se dire que c'est, si tu ne fais pas deux fois la wazifa le matin et le soir, tu n'es pas un vrai disciple tijani. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu peux, tu fais deux. Si tu ne peux pas, une seule fois, ça suffit. Wa waqtuha kalwirdi. L'heure de la wazifa, c'est comme le wird. Wa huma hina izin fil waqti mushtarikan. Donc, ils ont le même temps, c'est pendant la même période qu'on peut faire à la wazifa et la le wird aussi. Alors, imma fi sabahi, voilà, ça on l'a dit, soit le matin, soit le soir. Yuqaddimu al-insan ayyuhuma sha'a. Si tu veux, tu commences par la wazifa, ensuite tu fais le wird, ou alors tu fais le wird, après tu fais la wazifa. Tu fais comme tu le sens si tu es seul. Par contre, si tu es en groupe, alors que les gens sont en train de faire la wazifa, ne dis pas que non, je fais mon wird d'abord, ensuite je fais la wazifa. Non. Soit tout le groupe, chacun il fait le wird, ensuite vous faites la wazifa ensemble, ou bien vous faites la wazifa ensemble, après chacun il fait le wird. Mais il ne faut pas que les uns ils font le wird, les autres font la wazifa, et vice versa. Donc il dit que man arada an yaf'al al-wazifata bi hadhihi al-kayfiyya allati sanazkuruha falahu dhalik. Il dit aussi la wazifa avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne la jawhatul kamal à Sénécha radiallahu anhu, eh bien la wazifa était sous une autre forme. On faisait la wazifa sous une autre forme, mais il n'y avait pas jawhatul kamal dans cette forme-là. Et Cheikh Omar radiallahu anhu nous dit que si tu veux faire l'ancienne formule,
Faire réciter l'ancienne formule, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Alors, il dit dans cette formule, c'était quoi? وَهِيَ الْإِسْتِغْفَارُ بِأَيِّ سِرَّةٍ كَانَتْ مِئَةُ مَرَّةٍ. Tu fais astaghfirullah, quelle que soit la façon, 100 fois. Écoutez bien, c'est une autre façon de faire la wazifa. Cheikh Hadji Omar Radiallahu anhu nous dit que c'est possible. C'est-à-dire la wazifa que tu fais sans réciter Jawatul Kamal. Et là, il ne s'agit pas de faire la wazifa et de remplacer les 12 Jawatul Kamal par 20 Salatul Fajr. Mais c'est une autre forme de faire la wazifa. Il dit que c'est possible. Alors, astaghfirullah 100 fois, quelle que soit la forme, tu n'es pas obligé de dire astaghfirullah azmulati la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 100 fois. Tu peux dire astaghfirullah tout simplement. Wa salatul fatih lima ughliqa 100 fois, c'est pas 50 fois mais 100 fois. Wa al-hayla la ilaha illa Allah 100 fois. Wa hadhihi al-kayfiyya hiya al-asl. Cette forme, c'est elle la forme originelle. Donc à l'origine, c'était ça. Donc, ça a été, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sénéchal de l'alléger. Donc, ça a été allégé et on a eu la forme que nous utilisons actuellement. Mais à l'époque, c'était Astaghfirullah 100 fois, Salatul Fajr 100 fois, La ilaha illallah 100 fois. Dans la wazifa, on n'avait pas le droit de réciter une autre forme de salat à la Nabi que salat au fait. Mais, comme vous le savez, la tariqa, c'est comme l'islam. Les enseignements qui sont venus, les derniers, sont les enseignements qui sont retenus. C'est comme l'islam. Dans l'islam, il y avait une certaine forme de vivre l'islam au début. Mais au fur et à mesure, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recevait les révélations et Allah subhanahu wa ta'ala lui disait ne faites plus ça, faites ça, ne faites plus ça, faites ça. Au début de l'islam, pendant 10 ans, ben, tu étais musulman parce que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas zakat, il n'y avait pas le jeûne du ramadan, il n'y avait pas le pèlerinage pendant 10 ans. Alors c'est par la suite que la prière est venue, c'est par la suite que le ramadan est venu, c'est par la suite que zakat est venu, c'est par la suite que le pèlerinage est venu. Donc, il ne faut pas se dire que je suis musulman, mais je pratique l'islam comme au début. Non. C'est-à-dire, tu ne fais pas la prière, tu ne fais pas zakat, tu ne fais pas ramadan, tu ne fais pas le pèlerinage. Ce n'est pas possible. La tariqa aussi, au début, c'est Nashar Abdallah Anbu. Eh bien, il commençait le prophète, au fur et à mesure, lui disait, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est pour ça que, quand il y a des polémiques sur certains points de la tariqa, eh bien, assez souvent, c'est parce que ceux qui entretiennent cette polémique ne sont pas allés vers la source, masha'Allah, vers les livres qui sont les livres fondamentaux de la tariqa. Donc, c'est possible de faire la wazifa sous cette forme, mais c'est mieux de la faire avec la forme actuelle, à savoir la azm al-azi 30 fois, Salat al-Fadi 50 fois, La ilaha illallah 100 fois, Jawatul Kamal 12 fois. Alors, on va essayer de faire vite. Cheikh Hadji Omar radiallahu anhu nous dit que Sidi Hadji Mohamed al-Ghali radiallahu anhu lui avait dit qu'il y avait des gens qui continuaient à pratiquer cette forme de wazifa jusqu'à présent. أخبرني سيدي محمد الغالي أن بعض الإخوان يفعلها بالكيفية الأصلية إلى الآن. سيدي محمد الغالي m'a dit que il y a la forme originelle, il y a des frères Tijani qui continuent à la pratiquer. ولا يستعملون غيرها. Et ils ne changent pas. ومن أراد أن يفعلها مرة كذا ومرة كذا. Il dit que celui qui, par exemple, il veut tantôt faire avec la forme de Jawatul Kamal et tantôt faire sans la forme de Jawatul Kamal, Cheikh Hadji Omar Radiallahu anhu nous dit que c'est toujours possible. Donc, voyez, la tariqa, elle est ouverte. Ce n'est pas quelque chose
c'est pas un domaine où on rentre avec des œillères, eh bien on n'a ni le droit de tourner à gauche, ni le droit de tourner à droite. La tariqa, il y a cette fertilité, mashallah, intellectuelle qui est dans la tariqa, et c'est très important. Et ce que je disais l'autre jour, ce qui nous manque maintenant dans notre pratique de l'islam, alors que l'islam, depuis le début, a été un champ dans lequel on voyait qu'il y avait de l'intelligence qui sortait. Les ulama, ils rivalisaient dans le domaine, mashallah, de non pas que chacun il cherche à trouver un chemin à lui, non, mais ils montraient qu'il y avait cette intelligence, cette profusion de science dans l'islam, et c'est très important. Mais maintenant, on dit que voilà, c'est comme ça qu'il faut, eh bien, circuler. Tu n'as pas le droit de dire que est-ce qu'il n'y a pas un autre savant qui a dit autre chose, est-ce qu'il... Alors que, déjà au temps des Mazahib, eh bien, Imam Malik, Imam Shafi était son élève. Et pourtant, Imam Shafi a créé sa propre école par la suite. Et pour vous dire que eh bien, l'islam, c'est l'ouverture dans l'islam. Et maintenant, si on veut nous dire que eh bien, il n'y a que cette forme de voir l'islam, eh bien, je suis désolé. Nous, je suis désolé de dire qu'on a envie de retourner en arrière, de voir ce qui se passait auparavant, l'ouverture d'esprit qu'avaient les anciens, eh bien, adopter cela plutôt que d'adopter ce qu'on nous impose maintenant. Ce qu'on nous impose maintenant, eh bien, ce n'est pas l'islam. C'est tout simplement parce qu'il y a des intérêts mercantiles derrière, que certains veulent imposer leur façon de voir l'islam, dès lors que tu fais autre chose que eux. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, eh bien, ils te taxent de ceci ou de cela. L'islam, c'est l'ouverture, l'islam, c'est le respect de l'autre, et ce sont des, mashallah, des valeurs que ce serait vraiment dommage si nous serons amenés à les perdre. Donc, dans la tariqa, il y a cette ouverture aussi, et c'est très important. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, juste dire que min al-askari lazimati al-tariqa zikr al-kalimati al-musharrafa bi tamamiha ba'da 'asr yawm al-jum'a. Il y a aussi la haylala, le jour de vendredi, la ilaha illallah. Il nous dit que wa huwa la ilaha illallah aw zikr al-fard, ou alors de dire Allah Allah Allah. Il y en a qui le mélangent. Il y a un débat là-dessus. Il y en a qui disent qu'on doit faire que la ilaha illallah. Il y en a qui disent qu'on peut faire que Allah, Allah, Allah. Il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Mais Cheikh Nahel Omar radiallahu anhu, il dit que on peut faire soit l'un soit l'autre, ou, mashallah, les mélanger. Alors, il dit que si vous êtes dans un pays, « وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ إِخْوَانِ وَكَانُوا غَيْرَ مُسَافِرِينَ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ لِذِكْرِ » Dans un pays où il y a des frères qui ne sont pas des voyageurs, ils peuvent se réunir pour faire le zikr. « وَيَذْكُرُونَ بَعْدَ صَلَاتِ الْعَصْرِ » Après la prière de l'Asr, « إِلَى الْغُرُوبِ » jusqu'à Maghrib. « وَإِنْ شَاءُوا s'ils veulent aussi, « وَأَخِرُونَ وَلَا يَبْدَؤُونَ » Et ils ne commencent que après, que voilà, يبدأون بعد صلاة العصر. Comme ça, ils ne commencent pas tout de suite après l'Asr. حتى يبقي بين ابتدائهم وبين الغروب قدر ساعة بقدر الإمكان. Jusqu'à ce qu'il ne reste que à peu près une heure avant Maghrib. Comme ça, ils commencent la haylala. Là aussi, c'est possible. Donc, c'est très riche ce qu'il nous dit ici sur la Hajj Omar Abdallah Anou. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Eh bien, voilà la tariqa, le wir, la wazifa, le zikr de Juma, voilà ce qui est obligatoire dans la tariqa. Il y a par contre d'autres zikr, d'autres awrad qui sont dans la tariqa, qui sont des awrad qu'un cheikh peut te donner. Mais quel que soit ce que te donne le cheikh, il ne faut jamais négliger, mashallah, ce qui est obligatoire dans la tariqa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughlaqa wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq. والذي إذا صرخت المستقل على آله حق قدره والمقدار عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.
يا شيخنا يا ولي الله يا عمر خليفة المصطفى والشيخ يا وزر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر خليفة المصطفى والشيخ يا وزر يا موصل العبد للمولى مرقيه هذا عبيد إلى مولاه مفتقر أوصل حينا إلى المولى فأنت له هذا الحديم بكم يا شيخ يفتقر الحاج عبد العزيز سنان هذا مريدكم هذا محبكم هذا خديمكم يا من لنا قمر هذا مريدكم هذا محبكم هذا خديمكم يا من لنا قمر خذ بيدي سيد السادات يا ثقتي يا مرشدا هاديا للدين من كفروا خذ بيدي سيد السادات يا ثقتي يا مرشدا هاديا للدين من كفروا خذ بيدي سيد السادات يا ثقتي يا مرشدا هاديا للدين من كفروا أرجو قراكم لذا يممت بابكم علا بجاهكم يقضى لنا الوطر وأنتم بابنا لله يا سندي من كنت بابا له يرجى له الظفر وأنتم بابنا لله يا سندي من كنت بابا له يرجى له الظفر شيدت للدين ما قد كان مندرسا لله دركم مأواي يا عمر فاشهد بأني محب مخلص لكم صافي المحبة لا يصيبنا الضرر فاشهد بأني محب مخلص لكم صافي المحبة لا يصيبنا الضرر جزاك عن أمة المختار شافعنا ودينه والجزايا شيخ منتشر إني مريض ولا طبيب لي سندي سواكم فأعذني أنت مقتدر إني مريض ولا طبيب لي سندي سواكم فأعذني أنت مقتدر أنت المغيث لعبد ضاق مذهبه قد حل صاحتكم بكم وينتصر أنت المطاف وأنت الحل والحرم أنت المقام وأنت الركن والحجر أنت المطاف وأنت الحل والحرم أنت المقام وأنت الركن والحجر أنت المطاف وأنت الحل والحرم أنت المقام وأنت الركن والحجر وأنتم دوحة الإسلام سيدنا من يبتغي ثمرا أنتم له ثمر حاربت أعداء هذا الدين وانهزموا مسنا فرادى بإذن الله واندحروا أحييتم السنة الهادي بعزمكم وحزمكم فعدت كالضوء تنتشر أحييتم سنة الهادي بعزمكم وحزمكم فعدت كالضوء تنتشر إن ابن خادمكم عبد العزيز أتى مستمطرا جودكم بالباء ينتظر إن ابن خادمكم عبد العزيز أتى مستمطرا جودكم بالباب ينتظر فأعطه منك يا ما يرجوه مكرمة فإن جودك بحر ليس ينحسر فإن جودك بحر ليس ينحسر فإن جودك بحر ليس ينحسر صلاة والسلام من خالق الأيام على خير الأنام
muy way ba dege mbeyre allahumma salli ala sayidina محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.